Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et aujourd'hui des livres. Nous vous proposons une interview exceptionnelle, une interview courageuse, séditieuse, même celle de Walid Al-Husseini. Il est palestinien, il a fui son pays parce qu'il prône un islam athée, sans dieu ni prophète. Battu et emprisonné pour cela, il raconte son histoire dans un livre qui sort cette semaine en France, Le Blasphémateur. Dans ce journal également, regard sur la marche des droits civiques. Il y a 50 ans, aux États-Unis, des Blancs et des Noirs marchaient ensemble pour les mêmes droits. Et puis, bien, nous irons faire un petit tour du côté du glamour au chapitre des grands festivals de cinéma. Cannes commence à faire parler de lui. On vous dira pourquoi on est très content d'avoir les frères Cohen comme président du jury. Mais tout de suite, eh bien, l'interview avec le musulman Walid Al-Husseini. Il prône un islam athée. Cette interview a été enregistrée pour des histoires de traduction, bien évidemment, mais surtout pour des histoires de sécurité. Nous sommes avec le jeune écrivain Walid Al-Husseini. Il a 25 ans, il est né, il a grandi à Qalqilia en Cisjordanie. Il est réfugié en France depuis 3 ans et il publie cette semaine aux éditions Grasset le livre Le Blasphémateur, qui est son histoire. Bonjour Walid Al-Husseini, merci beaucoup de répondre aux questions d'i24 News. Walid, vous vous battez pour un islam athée, c'est vous le blasphémateur de votre livre ? Oui, je me suis toujours battu pour la liberté d'expression et la liberté de critiquer. Je me suis battu pour qu'on accepte la différence. Mais pour répondre à la question du titre, c'est le choix de mon éditeur. Toute l'histoire de ce livre, c'est bien sûr mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de ceux qui, comme moi, ont souffert de discrimination. Ceux qui vivent encore là-bas et qui subissent chaque jour l'oppression. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité, comme moi, d'exprimer leurs idées et leurs opinions. Ils sont opprimés. Ils vivent chaque jour dans la crainte et ils ont peur de la société qui les entoure. Alors le blasphémateur, c'est moi. Vos lecteurs décideront. Walid, votre livre sort, hélas, dans une actualité épouvantable. 17 assassinats au nom des fils d'Allah en France, d'autres morts dans le monde pour la défense de Mahomet. Que ressentez-vous ? J'ai été très bouleversé et très triste de ce qui s'est passé. Cela n'a pas été une attaque contre Charlie Hebdo, mais aussi une attaque contre la liberté d'expression, une attaque des valeurs démocratiques françaises et une attaque de la démocratie en général. L'islam veut faire de nous des moutons sans qu'aucune critique ni aucun questionnement ne soit possible. C'est ça qu'ils veulent, mais on se bat contre cela. Walid, donc vous sortez ce livre, Le Blasphémateur, dans lequel vous racontez votre histoire qui est terrible. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Qu'est-ce que vous avez enduré lorsque vous étiez à Qalqilia ? En 2012, l'autorité palestinienne vous a fait suivre et puis vous a arrêté, vous a emprisonné, vous a battu. Combien de temps ? J'ai été en prison à Qalqilia. Ce sont les services secrets palestiniens qui m'ont arrêté. J'ai fait 10 mois de prison. J'ai été battu, j'ai été torturé mentalement. Ensuite, j'ai été traduit devant une cour militaire. Pendant tout ce temps, je ne pouvais pas dormir. Je devais la plupart du temps rester debout. On m'a libéré au bout de 10 mois. Mais en fait, je n'étais pas vraiment libre. Je devais chaque jour me présenter à un bureau et signer un registre. J'étais en liberté surveillée. Mais il n'y a pas eu que cela. À chaque fois qu'il y avait un problème, une critique ou quoi que ce soit contre l'islam, c'est moi qu'on venait chercher et arrêter. J'étais le premier sur la liste. Ça, c'est la partie officielle, la loi. Mais j'ai vécu une autre forme d'emprisonnement. Les gens, la société m'ont fait souffrir. Elle m'a critiqué et ne m'a pas accepté. On me regardait comme le diable, le shaitan, le diable. C'est cette société qui m'a aussi jugé. Les regards, les mots, les menaces. J'étais convaincu que je ne pourrais plus continuer à vivre ainsi là-bas. Walid Al-Husseini, vous êtes donc réfugié en France, vous avez trouvé l'asile politique en France. Comment avez-vous été accueilli ? Comment se passe votre vie ici en France ?
La France, pour moi, est ma nouvelle terre natale. La France m'a accueilli. J'avais approché l'ambassade de France et les services français ont mis des pressions sur l'autorité palestinienne pour me libérer. J'ai obtenu un visa et ensuite j'ai fui. Je me suis réfugié en France et là j'ai été accepté comme un demandeur d'asile politique. La laïcité à la française est quelque chose de magnifique, merveilleux, extraordinaire. Et je souhaite à tous les pays du monde d'avoir cette même conception de la laïcité. Je souhaite à tous d'en jouir et d'arriver à l'imposer. Sauf qu'en France, la laïcité est maintenant menacée. Menacée par les pratiquants, par le halal, le hijab, le port du voile, menacée. Tout ce débat-là sur l'islam affecte les fondamentaux de la France. Toutes les questions sur le péché ou pas de porter le voile à l'école... Tout cela menace la laïcité française. C'est la raison pour laquelle il faut se battre. On doit protéger cela, se battre encore plus, car la France s'est battue dur pour arriver à cela. Walid, vous êtes jeune, vous étiez blogueur, maintenant vous êtes écrivain, donc vous lisez, vous savez un peu ce qui se passe. Est-ce que vous trouvez que c'est dur d'être musulman en France aujourd'hui et peut-être même en Europe ? Je ne pense pas que ce soit dur en ce moment, ni en Europe, ni en France. En France, on a la laïcité, on est protégé. Les musulmans continuent de prier comme ils veulent. Ils sont libres de prier en France et de pratiquer leur religion. La France et l'Europe leur garantissent cela. Ils sont libres. Donc ce n'est pas si dur que cela d'être musulman maintenant en France et en Europe. Les religieux sont libres. Walid Al-Hussein, vous avez fondé, alors on n'arrive pas à savoir si c'était sérieux ou pas, mais vous avez fondé le Conseil des ex-musulmans de France. Il y a qui avec vous dans ce mouvement ? Maintenant, nous sommes 60 dans ce groupe et nous avons 4000 personnes qui nous soutiennent et soutiennent ce combat. Pour une laïcité ou un athéisme musulman. Vous appelez à la constitution d'un monde musulman laïque. Comment c'est possible, selon vous ? Actuellement, c'est impossible en fait. Il n'y a pas d'islam athée ou laïque, car les musulmans voient cela comme une atteinte à Dieu. Quelque chose de contraire aux valeurs de l'islam. C'est cela qui dérange. Ce sont des mécréants, des infidèles. Mais les musulmans doivent pouvoir trouver d'autres façons de lire le Coran, une autre exégèse, un islam éclairé. Les justifications aux meurtres, aux assassinats, ne doivent pas sortir du Coran, ils doivent réfléchir à cela. L'islam doit changer cela, même si dans les textes, dans les livres, on trouve beaucoup de violence. Qu'est-ce que vous pensez de on parle en France de l'islam modéré. Est-ce que vous pensez que c'est possible, l'islam modéré ? Est-ce que ça existe, cette notion-là ? L'islam al-mu'tadil ou al-modéré... Un islam modéré, pour moi, ce serait un islam qui accepterait toutes les critiques de l'islam, qui accepterait les autres, qui laisserait chacun entretenir son propre lien à Dieu, sans que cela n'affecte le reste, ni la politique, ni l'éducation. Même dans les mosquées, les imams ne devraient pas faire de politique. Ils ne devraient pas entrer dans ce jeu-là. Et les instances musulmanes ne doivent pas être le foyer et le soutien du terrorisme. Ils ne doivent pas intervenir pour régler les mariages, le travail, etc. C'est ça l'islam modéré pour moi, un islam qui ne remplace pas les instances civiles, un islam qui ne traiterait que de la relation entre soi et Dieu. Rien de moins, rien de plus. Merci beaucoup Ali Walid Al-Husseini, c'est un témoignage très courageux. Je rappelle votre livre, Le Blasphémateur, aux éditions Grasset. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Voilà un témoignage fort qui a été enregistré, on vous l'a dit. Et l'interview, la totalité de cette interview est disponible sur notre site internet. Voilà, on va suivre avec du cinéma, du glamour, avec les frères Cohen en majesté au Festival de Cannes. Mais tout de suite, focus sur la marche des droits civiques. Il y a 50 ans, c'est le highlight et il est fait par Sandy Fortis. <t'->
En 1965, des centaines de personnes marchaient de Selma à Montgomery, en Alabama, se battant pour les droits civiques des Afro-Américains. 50 ans plus tard, une expo photo rend hommage à cet événement qui a marqué l'histoire. Et c'est grâce à 50 photographes présents ce jour-là, comme Stephen Sommerstein, âgé alors de 24 ans, que le public new-yorkais peut découvrir ou redécouvrir ce qui s'est passé ce 25 mars 1965. Grâce aux nombreux clichés, l'exposition retrace le chemin parcouru par Martin Luther King, la chanteuse Joan Baez et des centaines d'anonymes. Une marche historique qui aboutira 4 mois plus tard à la signature du Voting Rights Act par le président de l'époque, Lyndon Johnson. Voilà, avant de retrouver Laetitia Loreni pour avoir les toutes dernières infos sur le Festival de Cannes, eh bien voyons de près ce qui a agité le Red Carpet cette semaine, en l'occurrence à Berlin. Johnny Depp, il s'est pris un petit bain de foule, des fans enthousiastes, et on est plutôt content parce qu'est-ce qu'il avait traversé une traversée du désert, on ne sait pas. Un Johnny Depp un poil grossi mais heureux de retrouver un public qui l'adule. C'était pour l'avant-première du film Mordechai qui sort également en France. Mordechai ou Mordecai, c'est l'histoire farfelue d'un marchand d'art un peu escroc et très élégant qui recherche un tableau volé par les nazis. Voilà, et l'on retrouve maintenant Laetitia Loreni, direction Cannes. Bonjour Laetitia. Bonjour Valérie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ce sont les frères Cohen qui président le Festival de Cannes. Alors, pourquoi on est si contents? Ben, on est si contents parce que déjà, c'est des grands habitués du Festival de Cannes. Les frères Cohen, ils ont tout de même reçu beaucoup, beaucoup de prix à Cannes. Ça a commencé en 91 avec la Palme d'Or. C'était donc pour Barton Mink, suivi Fink. De... Fink, pardon, pardon, Barton Mink. Mink, c'est autre chose. C'est Alain Max, peut-être. Barton Fink, pardon. Et donc, ils ont reçu la Palme d'Or. Ils ont 3 prix de mise en scène, 1 prix d'interprétation masculine, mais aussi, dernier en date, un grand prix du jury en 2013 pour Inside Llewyn Lewis. Donc, disons qu'ils le connaissent bien, ce festival de Cannes. Et puis, les frères Cohen, c'est aussi ceux qui incarnent à la fois le cinéma d'auteur, mais aussi le cinéma grand public. Et on a l'impression que le Festival de Cannes, cette année, va avoir envie de changer un petit peu le ton. Il a été très critiqué l'année dernière. On a dit que c'était un festival un peu trop snob, un peu trop intellectuel, un festival trop élitiste et pas finalement représentatif du goût du grand public. Donc on peut s'attendre à un véritable changement de ton parce que, cette année. Oui, non, mais parce qu'on n'imagine pas les frères Cohen en président. D'ailleurs, ils ont dit on n'a jamais été président de quoi que ce soit. On ne les imagine pas finalement diriger, donner des ordres. Quoi. C'est ça qui est étonnant. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont ils vont délibérer. Est-ce qu'ils vont faire comme quand ils réalisent, puisqu'on sait qu'il y a d'un côté Joël qui produit, qui est plus sur le côté production, et Ethan qui est plus sur le côté artistique. Donc on se demande ce qui va se passer en termes de délibération. C'est la première fois qu'on va avoir finalement deux personnalités à la tête de à la présidence de ce jury. L'année dernière, c'était la première fois qu'on avait une femme réalisatrice, Jane Campion, qui était présidente du jury du Festival de Cannes. Donc voilà, toute première fois, visiblement, le Festival de Cannes change vraiment, essaie de se révolutionner un peu. Ce qui est aussi rigolo, et c'est une anecdote, c'est qu'en fait, les frères Cohen, c'est après le triomphe de leur film en 91, donc de Barton Fink, et bien, et que le règlement du Festival de Cannes a changé, puisqu'ils avaient en fait, ils avaient donc la Palme d'Or, le prix de mise en scène et le prix d'interprétation masculine. Et après ça, le règlement du Festival de Cannes a changé. Ils ont dit non, cette fois, enfin, pour les films futurs, il n'y aura pas de multi-récompense, seulement une récompense par film. Donc voilà pour les frères Cohen spécial. Et Laetitia, est-ce qu'on commence à avoir un peu d'infos sur la sélection, sur ce qu'on va pouvoir voir? Ben, du coup, comme je vous le disais, on a l'impression que ça va être un peu plus grand public. Et quand on regarde les films qui vont être prêts à temps pour Cannes, on a quand même Martin Scorsese qui aura fini à temps Silence, dont on en attend ça beaucoup. Va être un grand festival. Terrence Malick qui va peut-être nous offrir Brad Pitt et Angelina Jolie sur les marches. Aussi Charlize Theron et Sean Penn, l'autre couple glamour d'Hollywood qui lui montrera peut-être les marches pour The Last Face, donc réalisé par Sean Penn, avec l'espagnol Javier Bardem et la française Adèle Exarchopoulos, qui était donc qui a reçu un prix au Festival de Cannes pour son rôle dans La Vie d'Adèle. The Hateful Eight de Quentin Tarantino, qui lui certainement sera prêt. Du coup, on pourra certainement avoir aussi une petite danse de Quentin Tarantino sur les marches du festival cette année. Et enfin, Gus Van Sant qui aura terminé Sea of Trees. Donc voilà, beaucoup de grands noms de réalisation. Et c'est des très 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 grandes stars. J'ai l'impression
qu'il n'y a pas beaucoup de Français pour l'instant. Ou alors de ça, là, je vous ai donné le ton à l'américaine et les grands noms de la réalisation. Effectivement, on retrouvera certainement une entrée française. On ne peut pas encore en dire beaucoup plus. Et aussi, apparemment, beaucoup de cinéma italien cette année qui sera présent au Festival de Cannes. Merci. Et c'est quand les dates? Alors, le festival se tiendra du 13 au 24 mai 2015. On y sera, on l'espère. On y sera, en tout cas, bien sûr, on y sera. Merci beaucoup, Laetitia, Lorraine. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci pour votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue, bien évidemment. Et je vous rappelle, l'interview de Walid Al-Husseini est disponible sur le site internet de la chaîne www.i24news.tv.